Ok, salut à vous, c'est Liv pour ceux qui viennent juste de me prendre la marche. Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai déjà fait la première partie, j'ai déjà fait une seconde partie, et là, j'étais sur la partie langue que je venais de finir pour la seconde vidéo. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà voir sur ma chaîne YouTube, vous allez voir partie 1, partie 2, ça c'est la partie 3. Voilà, donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, et que vous pensez que vous avez sauté, vous n'avez pas sauté, vous n'avez pas... Et regardez cela, vous n'avez juste pas vu la vidéo que j'ai déjà fait pour la première partie et la seconde partie. Donc vous pouvez retenir sur ma chaîne YouTube, vous allez voir ces parties-là juste là-bas. Ok, donc je continue rapidement. J'étais sur langue, on a mis français, la langue maternelle. Voilà, et j'avais dit si vous avez une langue étrangère que vous avez apprise, alors vous prenez ici la langue russe, comme nous sommes en Russie, on prenait russe. Et la compétence pour la langue russe, c'est quoi? C'est B2. Et l'année d'expérience, je vais mettre une année d'expérience. Mais si vous avez déjà fait une première année, une seconde année ici en Russie, pour ceux qui veulent passer pour le master, si vous avez déjà fait 3 ans ou bien 4 ans ici de licence, vous pouvez mettre déjà 3 ans ou bien 4 ans. Donc moi, sur cette plateforme-là, je veux postuler pour la licence. Donc c'est comme si j'ai fini la première année de... C'est comme si j'ai fini l'année de langue ici en Russie. Alors je mets 1 an. Voilà, donc voilà, après ça, ici, comme je vous ai dit, vous couchez toujours non avant de passer au titre d'emploi. Donc pour l'emploi, si vous avez déjà, ici on dit, si vous avez occupé plusieurs postes, veuillez indiquer uniquement les 4-5 qui vous semblent les plus pertinents pour votre candidature. Si vous n'avez aucune expérience professionnelle, vous pouvez laisser cette section vide. Voilà, cependant, veuillez noter que certains programmes d'études exige que les étudiants possèdent une expérience de travail pertinente. Assurez-vous donc de remplir cette session. Voilà, donc pour vous donner assez de chances, vous pouvez remplir déjà cette partie-là pour pouvoir donner assez de chances à votre candidature. Si vous avez déjà travaillé dans un endroit, vous mettez ça. Donc vous allez juste sur votre CV et vous remplissez quelques endroits ici. Voilà, donc moi je considère que moi je viens faire la licence, donc je n'ai pas fait de... Si vous avez fait un BTS peut-être, voilà, vous pouvez aussi mettre ça. Et si vous n'avez rien fait, vous laissez ça comme ça. Donc ici en activité, mais la plupart des temps, les titres, les éléments comme emploi et tout ça, si vous pensez que vous avez un certificat de travail comme ça, vous pouvez le mettre, et vous pouvez insérer aussi dans autre document le certificat d'emploi. Voilà. Ici aussi on dit quoi? Veuillez saisir vos réponses aux questions suivantes concernant vos activités les plus importantes qui pourraient soutenir votre candidature. Donc aussi, ici aussi, vous pouvez mettre les autres activités qui viennent après vos emplois aussi, vous pouvez les ajouter ici. Voilà. Ok, donc en ce qui concerne la résidence maintenant, ici, veuillez saisir vos questions suivantes concernant toutes vos résidences actuelles et passées avec les dates exactes de séjour. Donc si vous avez fait peut-être Abidjan et ici Russie, donc vous mettez les deux dates ici en insérant dans un nouveau bloc ici. Voilà, donc ici par exemple, si je mets pays Russie, si je mets la Russie ici, un instant je vous montre, si je mets la Russie par exemple, que j'ai été en Russie, un instant que je cherche ici. Ok, si je mets que j'ai été en Russie, donc objet du séjour, si c'est le tourisme, vous pouvez mettre tourisme. Mais si c'est pour les études, donc je vais mettre études ici. Voilà. Et depuis quand vous êtes là? Donc depuis 2022, un truc comme ça, février 2022. Et ici, jusqu'à quand vous êtes ici. Ici, vous pouvez laisser, mais vous pouvez mettre comme ça 2024. Je vais mettre février 2024. Et ici, résider actuellement, résident. Je réside actuellement, donc si vous mettez résident actuellement, c'est pas obligatoire aussi que vous mettez cela, mais vous pouvez mettre jusqu'à cette date d'aujourd'hui. Voilà, sans problème. Maintenant, si vous pensez que vous ne comprenez pas, vous pouvez laisser en anglais, ça va bien traduire, comme ça vous allez pouvoir vous en sortir facilement. Et on passe à l'élément qui est plus important aussi, qui se trouve ici. Je le répète et je le redis. Tous les éléments que vous allez mettre en ligne doivent être en anglais. Ça, c'est l'élément qui est plus important, n'oubliez pas. Et vos documents doivent être en anglais. C'est seulement le passeport que vous ne traduisez pas. Voilà. Donc, tout ce qui est comme document, vous mettez tout en anglais. Même la lettre de motivation que vous allez écrire ici, vous écrivez tout en anglais. Donc, si vous voulez, vous faites en français et vous mettez la traduction ici. OK. Maintenant, si on vous demande de mettre en langue hongroise ici, vous faites la même chose aussi. Vous mettez la langue en langue hongroise. Donc ici, quelques points. Voici comment est-ce que vous devez rédiger votre lettre de motivation pour cette partie-là. Et on rédige directement. Ne faites pas de copier-coller. C'est pas bon pour vous. OK. Donc, pourquoi avez-vous choisi de postuler pour ce programme? Pourquoi avez-vous postulé pour étudier en Hongrie? Qu'espérez-vous retirer de vos études? Pourquoi votre parcours fait-il de vous un candidat approprié? Pourquoi c'est vous qu'on doit choisir? Comment le programme vous aidera-t-il à atteindre vos objectifs? Donc, vous reliez ce que vous allez faire là-bas et ce que vous voulez devenir plus tard. Et quel est le lien entre l'étude que vous proposez et un défi ou un besoin de développement particulier au niveau mondial, national ou bien local? Voilà, donc ça, ce que vous allez faire, quel est le lien entre votre pays et ce que vous voulez faire? Voilà, si vous voulez faire, par exemple, comme ça, je prends un exemple, hein, si vous voulez faire l'environnement, énergie renouvelable, voilà, par rapport à votre pays, vous pouvez dire que, voilà, vous avez le privilège d'avoir un soleil très ardent chez vous, donc vous pouvez utiliser cela pour créer un start-up, pour que votre pays puisse en profiter. Donc, ici, comment allez-vous expliquer vos nouvelles compétences et qualifications à l'avenir? Donc, comment est-ce que vous allez appliquer vos nouvelles compétences et qualifications à l'avenir? Comme je le disais, vous pouvez étudier par exemple peut-être l'électricité ou bien l'environnement et vous allez vous retenir pour, dans votre pays pour pouvoir les essayer en tant que start-up dans l'industrie peut-être de l'énergie renouvelable. Voilà, donc ceux qui vont utiliser l'énergie solaire pour pouvoir travailler, voilà, pour pouvoir réduire les dépenses des populations qui se trouvent dans votre pays. Maintenant, ce que vous faites, peut-être, je vais dire comme ça, la médecine, voilà, vous pouvez vous retenir et vous pouvez aussi écrire ici que votre pays manque de main d'œuvre pour pouvoir exercer dans le métier de la santé. OK, donc, à quel défi vous attendez-vous à rencontrer lorsque vous étudiez dans un pays étranger et comment pourriez-vous vous préparer à ces défis? Voilà, donc ça, c'est pour l'expérience de chacun. Donc, vous écrivez ce que vous pouvez. OK, n'oubliez pas, je répète encore, la lettre de motivation, c'est à caractère assez spécifique. Et puis aussi, ça compte beaucoup pour votre candidature en ce qui concerne cette bourse-là. Voilà, donc je continue ici pour les documents que vous avez. Donc, tous les documents que vous avez énumérés en ce qui concerne le diplôme, en ce qui concerne les lettres, peut-être les photos, en ce qui concerne peut-être comme ça. Parce que si vous venez ici, vous allez voir tous les éléments dont vous avez besoin. Voilà. Ici, la liste de contrôle, vous avez besoin de quoi? De preuves de maîtrise d'une langue étrangère. Parce que vous l'avez choisi. Moi, j'ai choisi russe. Si vous n'avez pas choisi de langue étrangère, ils ne vont pas vous demander cela. Moi, j'ai choisi russe, donc je vais mettre mon diplôme, mon certificat de langue russe ici. Et je vais mettre aussi, comme je viens pour faire la licence, je vais mettre aussi le certificat, mon diplôme de baccalauréat qui est déjà traduit. Je vais mettre le passeport, je vais mettre aussi les transcripts, c'est-à-dire ici, par exemple, comme ça, je peux mettre les originaux. Et ici, je vais mettre l'original et la traduction du diplôme. Ici aussi, et l'original et la traduction des relevés de notes. Je mets mon passeport, voilà, et ici je mets mon certificat médical qui est obligatoire. N'oubliez pas, c'est très important. Vous allez dans une clinique, vous dites au gars que vous voulez faire un certificat médical. Donc le gars va vous présenter des maladies sur lesquelles vous devez faire par exemple comme ça des tests. Et lorsque vous finissez de faire des tests, vous associez ces éléments-là ici. Et si cette personne, si le médecin peut écrire ça en anglais pour vous, pour ne pas que vous ayez encore à traduire dans une institution ou bien à l'office, je rappelle encore que quand on parle de traduction, vous ne partez pas sur Google pour aller traduire vos documents. Non, il y a des officiers qui sont bien diligentés, qui sont bien agréés pour pouvoir traduire vos certificats ou bien vos diplômes. Si vous traduisez ça sur Google, ce n'est pas certifié, ce n'est pas légal, et vous allez voir que votre dossier sera rejeté. Ça, je vous le dis très clairement. Voilà, donc, après que vous avez fini, vous allez venir sur Autre, et vous allez remplir un peu. Quelle est votre sous-sort de ici, ami site web de l'université, ou bien pas site web de l'université, vous allez pas sur Facebook, voilà. Donc ici, dans cette session, vous pouvez nous faire part de toute information complémentaire ayant, si vous, information médicale, si vous considérez qu'il est important d'informer, si vous avez des problèmes de santé tout autour, ou bien l'handicap, vous pouvez informer, voilà, il y aura une structure qui gère cela. Ok, donc, si vous n'êtes pas nominé au programme stipendiaire, ou souhaitez-vous postuler pour étudier en Hongrie en tant qu'étudiant payant, donc vous mettez tout oui. Au cas où on ne vous sélectionne pas, ils vont vous envoyer un message pour vous dire, ok, on ne vous a pas sélectionné pour la bourse, mais on a vu que vous avez un bon dossier, alors on demande à ce que vous venez y étudier de vos propres moyens. Donc, vous pouvez cliquer sur oui et puis pour pouvoir soumettre. Voilà, donc quand vous finissez, je l'ai dit encore, ça c'est pour la langue. Donc quand vous finissez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez soumettre ici. Voilà. Moi, je n'ai pas rempli, je n'ai pas mis de documents, donc je ne peux pas soumettre directement. Mais quand vous finissez, vous pouvez soumettre là. Et quand vous finissez de soumettre, qu'est-ce que vous faites? Vous venez encore dans application ici. Voilà. Vous venez encore dans application ici. Et vous ajoutez l'application pour le second. Par exemple, comme ça, pour si je veux faire mathématiques, je l'avais déjà dit auparavant. Si je veux faire mathématiques, alors je fais une année de langue et je soumets encore en mathématiques. Donc ici, par exemple, comme ça, ici on dit qu'il y a 5 choses que je n'ai pas fait. Donc bon, ok, ce que je vais faire, je vais m'arrêter là et je vais faire une troisième partie pour une nouvelle vidéo comme ça, pour une quatrième partie pour une nouvelle vidéo comme ça, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler.